éliminer celui qui l'a volé. Tu m'as trompé, David. Tu me dégoûtes. Tu l'as déjà dit. Allez. Dis-le-moi que c'est toi qui l'as, David. Dis-le-moi. Oui. C'est moi. Dans ce cas, tu sais ce qu'il me reste à faire. Je t'avais prévenu, je suis désolé. David. C'est toi qui me dégoûtes. Vous vous sentez mieux? Ça va. Il a des ennuis, votre ami? Oui, il n'y a trouvé plus ses clés de voiture. Je vous ramène? Oui, s'il vous plaît. Chez vous? Non, chez mes amis. Merci pour tout. Mes parents vous ont fait du mal. Oui, je crois. Ils adorent ça. Enfin, ils adoraient. J'ai essayé de vous prévenir. Et je vous ai dit que ça ne regardait que moi. Vous savez, je ne suis pas très content de moi non plus. Oui, à l'instant. Tu l'as regardé? Oui. On me reconnaît? Quand on te connaît, oui. C'est filmé de chez ta voisine? Peut-être, je sais pas. Alors je raccroche. J'ai une visite. On garde à toi. Daniel? D'où viens-tu? De chez moi. C'est grand chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Le globe. Il est enterré derrière la maison. Il y a aussi ton pistolet. Je croyais qu'il était dans le placard à compteur. Tu m'as menti sans arrêt. Prends-le et va-t'en. Dérange ça, s'il te plaît. Tu veux pas comprendre, David? Je dois te tuer. J'ai promis que cette affaire serait réglée dans la journée. Elle le sera. Arrête, Daniel. Réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais partir en vacances. Comme toujours, après un travail. Je vais envoyer le globe à Félix André. Félix, c'est le prénom. Poste restante, rue Turgot, Paris 9e. Je recevrai aussitôt mon salaire, ici, par le même moyen. Boîte postale 51, poste principal. Monsieur Dominique Lenaour, c'est mon nom dans cette ville, recevra 300 000 francs. Et on n'entendra plus parler de lui. Contrairement à ce que tu penses, les échanges les plus importants et les plus dangereux se font tout bêtement par la poste. J'ai pas pris le microfilm. Tu vérifies pas? Non. Je t'ai dit que je sais toujours quand quelqu'un ment. Enfin, presque toujours. Si tu m'avais cru, toi. Et Julia? T'as pas menti? Je la connais pas. Mais sans elle, on n'en serait pas là. Je regrette, David. Je peux pas faire autrement. Adieu, David.